Comment tu préfères qu'on vienne te draguer dans la rue? J'aime pas qu'on me drague dans la rue. Faut pas forcer. Genre, faut pas forcer. Ah non, c'est insupportable. Déjà, draguer dans la rue, je trouve que c'est des trucs de charo en fait. C'est des comportements moins chers. Moins chers. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, c'est bien des Game Pro. Aujourd'hui, on parle de technique des dragues. Comment draguer une meuf dans la rue? La plupart du temps, on ne sait pas comment s'y prendre. Et les filles, elles n'aiment pas. Alors, restez bien jusqu'à la fin pour savoir comment s'y prendre. Laisse-moi un pouce bleu pour cette vidéo. C'est une façon simple pour me soutenir. On y va, laisse-moi un pouce bleu. Je pleure, je change même de voix. Laisse-moi un pouce bleu, s'il te plaît. On continue, générique. Yo, comment tu t'appelles? Aurélia. Aurélia, moi c'est Degame, enchanté. Alors dis-moi Aurélia, vous faites souvent draguer, non? Ça arrive? Bah, comme tout le monde, ouais, ça arrive. D'accord. Alors, pour attirer votre attention, comment un gars doit être, en fait? Je pense qu'il doit être drôle, parce que les mecs relous, c'est... Oui, comment tu t'appelles? Tu viens d'où? Non. Tu sais, il faut être drôle. Une approche drôle, je trouve que c'est bien. Voilà. Mais comment tu t'appelles, ça fait partie aussi de... Oui, bah après, mais la première impression, je trouve que c'est important d'être drôle, voilà, d'avoir de l'humour. D'accord. Et alors? Moi, il doit être souriant. Parce que du coup, aspirer la joie de vivre, tu vois. Et se démarquer des autres. Super. Et en général, quels genres de gars viennent vous draguer? C'est plus les blancs, les renois, en général? Ouais, renois, métis. Après, ouais, c'est ce que j'aime bien. Donc. Renois, métis, ouais. La plupart du temps. Ouais, bah après, ça dépend, encore une fois. Et les blancs? Ils sont pas vraiment trop dans la base. Bah, si, mais c'est différent. C'est différent? Ouais, comment? Je sais pas. Bah, je sais pas. Je sais pas comment c'est. C'est à l'instant, c'est au feeling, c'est comme ça. Moi, je dirais peut-être plus un peu latino. D'accord, ouais. Plus latino. Ouais. Pas qui vient me draguer, comment ils sont, tu vois. Je... D'accord, parce qu'il y en a, elles ont dit. Question là, en fait. Il y en a, elles ont dit en général, c'est plus le renoir. Pas moi. Moi, pas forcément, en vrai. Moi, c'est un peu en vrai. Salut. Vous êtes stylé, hein. Merci. Ah là là, j'aime bien. Merci. Un chapeau et tout. Merci. Voilà. C'est le bleu ta couleur préférée ou quoi? Mais en fait, celui-là c'est le mien et celui-là c'est le tien. Oh. Ouais. J'étais obligée, je n'allais pas mettre un bleu avec c'est pour du accorder. Vert. Ah ouais, oui. Bah oui, c'est pour d'accord, ça. Super. Tout est alors réfléchi. C'est parti, dites-moi. Oui. On parle des techniques des dragues aujourd'hui. Okay. Les techniques des dragues. Comment elle te regarde, putain? Oui, on t'écoute. Dans la rue. Oui. Comment un gars doit faire pour vous aborder? Respectueux déjà. Pas de forçage, si on dit non, c'est non, faut arrêter. Mmh. C'est tout. Pardon. Et après, je sais pas, normal, salut, comment je t'appelle, voilà, comme ça quoi. Genre tranquille, une personne qui s'intéresse quoi, pas direct. Mais si la personne vous fait des compliments de la première approche, on remercie, c'est gentil. C'est pas trop charo? Ça dépend, c'est quoi? D'accord. Et toi, pourquoi? Eh ben, pareil, hein. Franchement, tant que c'est respectueux, ça va. Mm-hmm. Mais ouais, non, faut pas forcer. Genre, faut pas forcer. Ah non, c'est insupportable. Qui vous drague souvent entre les blancs et les noirs? Les noirs. C'est plus les noirs? Ouais. Et comment ils viennent quand... Parfois, c'est gênant. Et t'aimes bien leur approche? Non. Pas du tout? Pourquoi? Ouais, non. C'est gênant un peu. Comment? Non, c'est pas bien, genre. Ça se voit, ils ont l'habitude. D'accord. Mais quelle approche que t'aimes bien? N'importe, mais pas une manière sauvage, une manière gentille, une manière calme. Pas être trop dans la séduction, genre t'es belle, t'as des beaux yeux. Enfin ça, là, ça c'est des disquettes ça. Une disquette? Ouais. Ça peut être une vérité. Peut-être, mais ça se voit après, ils ont l'habitude, non. Super. Comment vous aimez bien que les gars ils viennent vous approcher? Parce que des fois c'est quand même... Approcher dans la rue? Ouais. Principalement très lourd dans la rue déjà, c'est non. Vraiment. Ah ouais. Ouais, c'est non. Donc ça, dans un bar? Oui, mais dans la rue c'est non. Dans la rue, c'est nos bars. Les gars, il a un coup de cœur en fait. Il vous voit, il s'est dit non. Ouais, non, mais ça, en fait, le tombe comme ça. En fait, le truc, c'est que ça marche jamais. Ou alors, il faut vraiment trouver un truc un peu drôle, etc. Mais oui, je crois que ça. Que le mec, il tombe. D'accord. Il tombe là, oh mon dieu. D'accord, mais l'approche, comment il doit être, les gars, pour attirer votre attention? Il doit pas être lourd. Il doit être. Il doit être gentil. Il doit être juste, Comment tu t'appelles? Ça va? Tu es très belle. Ouais. T'as des beaux yeux. Non. Des phrases lame, genre. Tu t'appelles? Tu fais quoi dans la vie? Oh, ça va. Juste, genre, je t'ai vu. Est-ce que c'est possible d'avoir ton numéro ou quoi que ce soit? J'en sais rien. Un truc simple. Ça, soit ça marche, soit ça marche pas. S'il y a un feeling. Le numéro, c'est vite même par rapport au. Tiens, compliment. une blague, un truc gentil, un compliment, mais pas lourd. Super. Quand un mec il vient te draguer en fait, quelles sont les techniques des dragues pour te séduire? Ah, moi je sais pas, il doit être bien habillé et tout. Après, je veux pas qu'il soit trop direct avec moi. Ah bon? Juste Naka essaye de me blaguer un peu.
Trop direct est comment pour toi c'est... Genre, je suis là pour tes fesses ou je sais pas. Oh, d'accord. On a qu'à essayer de mentir pour dire « Ouais, t'es belle, viens, je prends ton snap, après je t'invite », tout ça. Faut pas être direct avec moi. Non, pas de compliment dès le premier approche, en fait. La première approche. Ah, si. Parce que t'as dit, genre, il faut pas qu'on dise t'es belle. Non, mais non, genre, je dis, il n'a qu'à me dire que je suis belle et tout. Après, il peut bien mentir, même si je suis pas belle. Mm-hmm. Il me dit, ouais, t'es belle, tout ça. Et puis après, moi, je peux dire, ok, je lui donne mon snap. Après, on parle là-bas. Il peut être direct et puis après, je le bloque. Oh, d'accord, super. Technique de drague. Comment tu préfères qu'un mec vienne te draguer? Alors là? Je sais pas. Non. En tout cas, pas en mode wesh, c'est comment? Pas son numéro, pas comme ça. Un truc en mode genre t'es mignonne et tout, bien. Genre tu es belle. Classe, ouais, voilà. Technique de drague? Ouais, dans la rue. Dans la rue? Alors j'ai jamais dragué dans la rue. Non, quand on vous drague dans la rue, quand comment on drague dans la rue, le plus mignon c'est quand on propose un café. D'accord. Quand on s'arrête et qu'on propose d'aller prendre un café, simple, efficace. Mais faut pas pousser. Des petits compliments dès la première approche, ça passe? Ouais, genre gentiment quoi. Genre je trouve joli, ça veut dire prendre un café, plus voilà. Dans ce mood là. Super, un petit snap, le contact dès les 5 premières minutes, je sais pas. Non, je donne jamais mon snap direct, je préfère connaître la personne avant. D'accord. Je donne pas mes infos comme ça trop vite. Super, en voilà. Tout cas, je pense que c'était ma question. Comment tu préfères qu'on vienne te draguer dans la rue? J'aime pas qu'on me drague dans la rue. Ah bon? Non. Mais imagine. Je trouve que c'est trop facile. C'est trop facile, non, c'est à toi de valider ou pas? Déjà, draguer dans la rue, je trouve que c'est des trucs de charo en fait. Ouais. C'est des trucs moins chers en fait, c'est des comportements moins chers en fait. Mais tu préfères qu'on te drague comment alors? Déjà, faut que la personne soit présentable. Faut qu'il sente bon, faut qu'il soit bien physiquement et tout ça. Et faut qu'il ait la parole, faut qu'il sache me parler et tout, tu vois. D'accord. Il faut qu'il me blague. Et moi, t'en penses quoi alors? T'es beau? Tu sens bon? Ouais. T'es bien, mais est-ce que tu sais parler? On peut essayer. Parle-moi voir. Ça va? Ça va et toi? Je t'ai vu tout à l'heure, j'aime bien ton regard. Est-ce que là ça passe déjà? Ok, non. 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 Dès le... regard, c'est bof. Non, le regard, ça, c'est fascinant, ça m'attire. Et je me dis, Et genre, regarde-moi avec un air séducteur, t'as vu, genre... Ah, c'est ça que comme t'aimes. Si, oui, voilà. D'accord, super. On peut reprendre? On reprend. Comment tu t'appelles? Ça, Stéphie. T'as Stéphie, vu, hein. Je perds mes mots déjà, t'as vu? Non, faut pas trembler. Ouais, mais alors, c'est bien, ça veut dire que c'est bien cette fois-ci. D'accord, t'as... ça va? Ouais, ça va et toi? Je m'en fous. Tu fais ça avec qui? Je m'en fous. Tu t'en fous de c'est quoi? T'es obligé de savoir. Faut plus me draguer. Il faut être drôle, non? Ouais. Là, je me rattrape. Un gars, juste pour moi, je fuis. Merci beaucoup. Je fuis. On parle des techniques des dragues. Mm-hmm. Quand un gars vient t'aborder et tout... Je dis non, j'aime mon ex. T'aimes ton ex? Oui, j'aime mon ex. Oh. Oui, je suis amoureuse de mon ex. C'est ton ex, ça y est. C'est... Ouais, bah non. On ravale pas son vomi. Voilà. Bah ouais, bah non. Donc je toi, drague quand, pas. Quand on drague... vient te draguer, non, tu... Non. Tu penses toujours à ton ex? Bah ouais. Mais s'il est déjà... Non, mais c'est pas mon problème. Mais non. Bah... Donc... Oui. Je suis déjà amoureuse de mon petit italien corse. Un petit message alors s'il tombe. Il va pas tomber dessus, il s'en fout. Il est trop fâché. T'as fait quoi alors? T'as emmerdé? Non, c'est personnel. Non, vas-y, dis-nous. T'as emmerdé? Non, c'est non. Peut-être grâce à cette vidéo en fait. Non, non, c'est personnel. Personnel, hein. Ouais. On peut comprendre ce que t'as fait, oui. C'est vraiment. Oui, ouais. T'as fait la conne quoi? Oui, voilà, exactement. T'as emmerdé? Ouais, j'ai fait de la merde, ouais. Dis-moi, quelles sont les techniques des drags que t'aimes? Moi je drague pas moi. Non. Quand un gars t'approche, T'aimerais bien qu'il soit comment? Tu poses trop de questions. Bon, tu te fais le plus draguer par quel genre de gars? Ah, que des blancs. Que des blancs? Ouais. Souvent? Ouais. Ah ouais. Non, souvent non, mais c'est que des blancs. Ah bon? Pas le Renoir? Non. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était bien des Game Pro. En tout cas, très simple. J'ai pas l'habitude de faire l'intro de fin, mais si je le fais, c'est juste pour ça là. C'est juste pour ça, pour le pouce bleu. Laisse-moi mon pouce bleu avant de se quitter en fait. Laisse-moi mon pouce bleu, sinon je reste là, je bouge pas. Laisse-moi d'abord mon pouce bleu s'il te plaît. Tu attends quoi frérot? C'est la fin de la vidéo et j'attends le pouce bleu. C'est la fin de la vidéo et j'attends le pouce bleu.
Bon, si tu l'as fait, merci. Mais c'est toi qui l'as pas encore fait. Je sais pas, tu attends quoi, mais bon. Ça te coûte rien du tout. Nouvelle vidéo, chaque dimanche et chaque mercredi, comme d'habitude. Des fois, je publie aussi dans la semaine. Merci beaucoup. Gucci gang, 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 Gucci gang. Spread to the rest on new chains. My bitch love doing cocaine. I fuck a bitch, I forgot her name. I can't vibe in the